Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gens, où est-ce que tout simplement on va passer à la deuxième partie du Sleeper Stimulant. Donc en gros ici vous allez devoir retourner à l'armurier et vous allez avoir tout simplement un assaut pour combattre le sabre 2. Donc une fois cela fait, vous allez avoir tout simplement déjà 4 engrammes. Donc j'ai eu un engramme légendaire, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, ambition du baron en plus, donc cool, super cool. Donc voilà, l'image révélée, image de l'esprit dormant. Et regardez en bas à gauche, squelette de l'image de l'esprit dormant. Donc voilà, j'ai eu ça, squelette de l'image de l'esprit dormant. Échec répétitif des systèmes de défense dans le périmètre de bunker. Recours au protocole ICLO, objectif, permettre aux gardiens de sécuriser les lieux clés et autres objectifs pour exigence de minuit. Donc en gros, c'est cette arme qu'on a lootée tout simplement chez l'armurier. Donc c'est quand même l'image de l'esprit dormant. Donc c'est peut-être pas forcément la dernière étape, étant donné que c'est l'image. Et dans d'autres gameplays, par exemple américain, il n'y avait pas la mention image tout simplement. Donc ça reste quand même un mystère, parce que étant donné en plus qu'on l'a looté à 290, une arme comme ça normalement c'est 310 direct, franchement les gars. Donc je pense en fait que l'arme n'est pas complète tout simplement, c'est une sorte de petit avant-goût en fait, une sorte de bêta tout simplement. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette petite vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de cette petite analyse. Des potes à moi m'ont dit à peu près que voilà, sur différents forums, ils disaient tout simplement que c'était pas la version finale en fait de ce putain de fusil à fusion. Donc voilà, ciao tout le monde et n'hésitez pas à liker la page.